Et salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Regardez une vidéo sur PC, une vidéo sur Assault Android Cactus. Un jeu qui explose avec plein de robots, plein de tirs, plein de boulettes, comme on l'aime. Il est dispo, donc là on est sur PC, il est dispo sur PS4 et il est toujours prévu sur Wii U et sur Vita, mais bon, on sait pas trop. C'est un peu... on sait pas. Donc, le principe c'est quoi? Regardez, là, je tire sur tout ce qui bouge, mais... pas vraiment. Je tire surtout sur tout ce qui essaye de me tuer, à savoir plein d'androïdes, parce que il y a une, quand même une petite histoire, hein. C'est une fliquette androïde qui arrive sur un vaisseau qui est un peu en perdition, et elle va se faire aider par les derniers androïdes qui sont pas trop corrompus dessus pour aller niquer tout le reste. Bref, en gros, hein. Et donc le principe de jeu est très simple, très facile, il suffit de tirer sur tout ce qui bouge, de ramasser les petits bonus, et surtout de ramasser les petites icônes vertes de batterie, puisque comme on est un personnage qui est un androïde, il fonctionne sur batterie. On la voit d'ailleurs l'icône en haut de l'écran, et donc en fait elle se vide en permanence, et donc il faut faire gaffe, et il faut ramasser toutes les icônes de batterie dès que possible pour ne pas tomber en rade, sachant qu'évidemment quand on se fait toucher, on perd un peu de jus aussi, et donc c'est un peu la raison principale pour laquelle on peut échouer un niveau, c'est que bah, la batterie elle se vide et que bah, on se retrouve comme un abruti. Donc là, ça c'est ce tir là, il sert à rien, faut que j'utilise mon tir secondaire. Chaque android qu'on peut sélectionner, on les verra peut-être tout à l'heure si j'arrive à terminer ce niveau rapidement, chaque android dispo a son tir et son tir secondaire. Donc là moi j'ai pris celle-là parce que elle a un tir qui arrose pas mal de zones, mais il y en a qui ont un drone, qui ont des conneries comme ça. C'est très sympa. Hop, je ramasse la batterie. Donc on a des petits objets à ramasser. Donc on a des objets qui permettent soit d'augmenter sa puissance, soit comme on vient de le voir, de désactiver temporairement les ennemis. Ce qui est très pratique quand il y en a vraiment beaucoup. Hop, toi, voilà. On en a aussi qui nous fait accélérer. Et donc c'est vraiment très sympa. Hop, là, voilà, celui-là, il désactive tous les vilains. Donc là j'en profite pour désactiver la tourelle laser qui était un petit peu belliqueuse. Et donc c'est un jeu très sympathique. Alors il y a 25 stages, mais qui peuvent être vraiment assez chauds. Ah ben voilà. Donc là quand on se fait toucher vraiment par un tir, il faut marteler la touche de tir pour repartir. C'est beaucoup de tirs tout ça. Hop. Et donc voilà, le niveau est terminé. Alright, who's next? Donc là on a notre classement. On va voir B, je me suis fait toucher une fois, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, on a pu le voir, c'est fluide, c'est joli, la musique est très cool aussi. Donc comme je vais changer, on va sélectionner un autre niveau. Alors c'est quoi ça? Ouais, celui-là il est pas mal, mais faudrait regarder un autre concept. Donc ça c'est le boss, donc je vais avancer, je vais aller dans un niveau que... Bon, on va faire celui-là. Hop là, et donc, en gros... Ah la vache, ça commence mal. Et petit chien bleu, là, il commence à m'emmerder. Hop, donc c'est bien sympathique, c'est un jeu bien sympathique. Et d'ailleurs, j'ai oublié d'aller voir les autres personnages. Donc je vais peut-être quitter le niveau, parce que là, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment beaucoup commencé. Ah, le salaud. Essayer de m'aimanter contre les autres. Hop, donc on va se barrer. Hop, donc voilà. Donc là, par exemple, là, c'est l'androïde que j'ai sélectionné. Mais la principale, c'est Cactus, d'où le nom, androïde assaut, androïde Cactus, ou androïde assaut Cactus. Bref, il est compliqué. Et donc voilà, comme on voit en bas, il y a principal et lance-flamme. Donc chacune a sa petite arme. Mais donc voilà, moi, ce que je préfère, c'est fusil dispersif et missile. Mais voilà, il y a fusil, champ de plasma, laser, il y a plein de trucs. Bon, je ne les ai pas toutes débloquées, mais bon, c'est pas grave. Hop, moi je garde ma Lemon, parce que elle est ma foi fort sympathique. Et donc là, qu'est-ce qu'on est? Alors ça, alors les niveaux sont, sont sympas, ceux qui se construisent un peu au fur et à mesure qu'on se déplace. Mais je suis pas sûr que ça soit un... Bah, c'en est un qui se détruit au fur et à mesure qu'on se déplace, donc c'est dans le même esprit. Hop, donc là je fais n'importe quoi, je fonce dans le tas, mais des fois ça peut aider quand même. Hop,
Hop là, on repasse, tir secondaire. Alors ça se joue, voilà, c'est avec les deux sticks. Hein. On tire avec la gâchette de droite de la manette et on change d'arme avec la gâchette de gauche. Donc ça peut être un peu... on ne sait pas vraiment tout de suite avec quoi on tire, mais de toute façon on n'a pas beaucoup de munitions de l'arme secondaire parce qu'elle a un truc de refroidissement comme on peut voir là en bas de mon personnage. La jauge se réduit, c'est le refroidissement de mon arme secondaire. Donc là, les petites pieuvres, je vais leur balancer ça dans la gueule, comme ça, ça va leur faire tout drôle. Hop. Et on peut jouer à deux en coop, hein. En coop local, donc, ce qui est très cool. Donc on ne le verra pas, puisque moi j'ai des personnes avec qui jouer. Mais c'est très cool. Oh, bim. Voilà. Ah, batterie, vite, faut ramasser, c'est parti. Donc c'est un jeu bien sympathique si vous aimez le genre. C'est un truc qui est sorti il y a longtemps mais que j'ai jamais eu l'occasion de tester avant. Et donc c'est pour ça que là je le teste maintenant. Hop, prends ça, bim. Hop là. Je vais essayer d'avancer un peu dans le stage. Zou. Bim, voilà, oh là, on se retrouve sur un ascenseur, la caméra change d'angle, ça va pas du tout, c'est le bazar. Ah, j'aime pas eux là, les petits qui volent là, c'est des saloperies ça. Hop là, laisse-toi. Boum. Voilà, là par exemple, j'ai plus de batterie, faut absolument que j'aille vite pour détruire le plus d'ennemis le plus rapidement possible pour pouvoir récupérer de la batterie. Là, c'est ce que je fais. Voilà, là je vais attendre que mon arme secondaire se rafraîchisse pour que je re-arrose tout le monde. Hop là, batterie, vite. Firepower encore. Voilà, hop, le gros va s'en manger 2-3 dans la gueule, que je l'ai raté, c'est pas grave. Hop, voilà, un autre bel objet. Oh! Hop. Easy. Aïe. Allez, mange-toi ça, salaud. Donc voilà, Assault Android Cactus, c'est cool. Donc ça c'est le mode histoire, mais il y a aussi des modes, une sorte de mode truc quotidien, quoi, avec des trucs générés un peu à la volée. Donc, et comme ça, il y a de quoi faire un peu tous les jours, donc ce qui est plutôt cool. Ah là là, ça va pas du tout. Allez, qu'est-ce que tu fous? Et donc ça assure quand même une certaine replay value. Ah, allez, faites de la place pour le prince Ali. Donc c'est cool si... Voilà, oh, allez, fais chier. Bim. Donc voilà, donc hop, c'est un jeu bien sympa à faire, en promo ou pas, ou sur PS4 d'ailleurs, c'est cool, donc je vais peut-être crever bientôt. Et donc voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.